Allô les amis, allô tout le monde. Aujourd'hui, moi et ma maman, on va faire un challenge. Ça va être le challenge 24 heures, Mauve versus Rose. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Et ben c'est ça. Donc pour commencer aujourd'hui, on va vous présenter notre déjeuner. Donc pour ce matin, maman, c'est pas vraiment son déjeuner, là, c'est son linge. Elle a une robe de chambre qui est rose, parce qu'elle, c'est rose. Des bas roses, donc ils ont pas de l'or si rose que ça. Une assiette rose avec une toast à la confiture de fraises qui est rose. Et un café avec du lait en mousse, rose, mais on dirait un peu blanc à la caméra, mais c'est bien rose. À mon tour, Alice, ce matin, a mis sa robe de chambre mauve, ses pantoufles mauve. Et pour son petit déjeuner, un bon verre de lait mauve, des céréales avec du lait mauve et des raisins. Ça va être une belle journée, hein? Ouais! Hey, bon appétit à ton tour! Donc, pour la deuxième partie de ce beau challenge, j'ai choisi les vêtements d'Alice. Donc, elle est mauve de la tête aux pieds, des petits bas mauves, des pantalons, un chandail. Est-ce que tu montes un petit coin de tes bobettes? Même les bobettes sont mauves! Une passe, un chouchou, des bracelets. C'est des élastiques. Mais bon. C'est maquillé un petit peu les yeux avec un peu de mauve. Et même la brosse à cheveux était mauve, nous vous la montrerons lors de la suite de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc là, maman vient de présenter mon linge et moi je vais présenter le sien. Donc elle a, on dirait un peu orange, maman, à caméra ton chandail, mais bon. Elle a un chandail chaud qui est rose, qui paraît un peu orange mais il est bien rose. Un chandail rose, des pantalons noirs avec des éclats de rose. Des bas roses, c'est les mêmes ce matin. Une passe rose, c'est la mienne et je lui ai donc prêté. Ses lunettes sont quand même un peu roses. Et on s'est maquillé les yeux roses. Bon, ça paraît pas trop, mais on l'a vraiment maquillé. Fait que là, on s'est habillé parce que on s'en veut faire les magasins pour pouvoir trouver qu'est-ce qu'on aura besoin pour la journée. Et en revenant, on vous montre tout ça. Et on prend notre collation et je vous garde la surprise pour tantôt. À tantôt! Hello les amis, on est de retour. Donc, on a acheté plusieurs choses. Donc, j'ai commencé par présenter les trucs pour maman. Il y a des trucs qui sont un peu pour nous deux, je dirais. Fait que ça, c'est pour un peu nous deux. J'ai commencé par tout le deux. Les deux. Ça, vous allez dire, Alice, si ça paraît bien, c'est du chou mauve, non? Oui, c'est du chou qui est... la couleur, c'est mauve. Mais pourquoi je dis que c'est pour nous deux? Parce que ma maman m'a dit que quand on mettait du vinaigre dessus, il devenait rose. Enfin, comme ça, moi, je peux prendre normal, puis maman peut mettre du vinaigre pour qu'il devienne rose. Ça, c'est du gelo à la vanille. C'est de la marque Gelo, parce que c'est pas du Gelo. C'est du pudding à la vanille. Et il est un peu pas mal blanc. Fait comme ça, on peut mettre du colorant, puis il va être de notre couleur. On a aussi des petits bonbons comme ça. Donc, les roses, ils sont à la fraise, et les mauves au raisin. On a ça, c'est dans le même emballage, c'est des nerds. C'est des petits bonbons qui fait crunch, mais tu sais, ça pétille pas, là. Voilà. Donc, les miens sont au raisin et sur le moment, ils sont aux fraises. Je pense qu'on va y aller maintenant pour maman. Donc, on a ça si elle veut. Donc, c'est des bières. Oh, elle est pareille, sont roses. Maman a aussi des compotes pommes et fraises. Une tomate qui est supposée être rose. Ça s'appelle une tomate rose. Supposée être rose. On a de la gomme pour maman. Comme ça. Est-ce que j'ai tout dit pour toi, maman? Ok. Pour moi,
j'ai de la gomme au raisin. J'ai du jello au raisin. Donc, maman aussi, elle a du jello qui était déjà à la maison. Alors, on le présente pas parce qu'on ne l'a pas vraiment acheté pour eux. J'ai aussi ça. Donc, c'est la pomponne aux pommes et aux bleuets. J'ai des carottes. Donc, il y en a des mauves dans le paquet. Alors, on va prendre ce mauve pour moi. J'ai aussi des prunes. J'ai du jus que s'il est écrit, il est délicieusement violet. Donc, à l'intérieur... Ça a l'air bon. À l'intérieur, il y a des pommes, des raisins, des betteraves, des baies de sureau, du poivron rouge, des carottes mauves, du citron, de la purée de prune et de l'arôme naturel. Je me demande vraiment que ça va goûter. Je suis très intriguée. Et c'est tout, je pense. Je crois que maintenant, ce serait l'heure d'aller préparer notre collation. Ouais, donc pendant la collation, on va manger un smoothie. On le prépare et on vous revient pour vous le montrer tout de suite après. À tantôt! Hello! On est de retour. On a préparé les smoothies. Donc, celui à maman, il est aux framboises. Yogourt à boire aux framboises. Avec des framboises gelées, du lait et de l'eau. Du yogourt à la vanille. Et du yogourt à la vanille. Moi, dedans, j'ai mis des framboises, des bleuets, du lait et de l'eau. Et moi, c'est bien un smoothie. Donc, les pailles, maman, elle est bien. La sienne, elle est rose. La mienne, elle a un petit peu de mauve, mais on n'avait pas vraiment de paille mauve. Alors, c'est ça que ça donne. Moi aussi, j'ai déjà goûté. Puis c'est vrai, ils sont vraiment bons, nos smoothies. Là, la prochaine étape, c'est quoi qu'on va faire après, maman? Après ça? On va préparer notre jello. On va faire du jello. Pour le dessert de ce soir, il faut lui donner le temps figé. Fait qu'on va faire du jello. Et c'est ça. Donc, à tantôt. Au revoir. Bye. Hello les amis, on est de retour. Donc on voulait vous montrer à quoi ça donne. Donc la couleur surtout parce qu'ils sont pas prêts. On va faire une activité après, une autre je pense. Donc voici le mien. Le mien. Tous ceux qui sont mauves, c'est les miens. Et ceux qui sont plus rouges, c'est ceux à maman. Donc en fait, on les a fait avec de l'eau bouillante surtout et un peu d'eau froide. Bon, c'est ça. Fait que on se retrouve pour la prochaine activité. Donc à tout de suite. Oups, comment on est? Allô les amis, on est de retour. Donc là on a fait des Lego. Mauve et rose surtout, mais il y a deux couleurs et maman va vous faire une petite épisode là. Donc on commence. Oh, j'ai hâte d'aller au parc aquatique! Rejoindre mon ami! Ah, bonjour madame! Bonjour Rita! Ah, elle est belle ta nouvelle voiture! Merci! C'est ma couleur préférée! Ah, j'ai hâte de mouiller! J'ai chaud! On va faire la grande glissade, viens! Comme l'eau est bonne! Je vais aller chercher la bouée, je vais aller chercher des cocktails. Ah! Je vais prendre deux cocktails, s'il vous plaît. Oui, madame? Oh, ça a l'air délicieux! Je vais le laisser ici. Ici, ça va faire 2 $. Voilà, merci. Voilà, nos cocktails sont prêts. Ah, super. Et quelle ambiance, que dire de l'ambiance. La piscine, les cocktails et la musique, c'est pas génial? Oh oui, c'est une merveilleuse journée. On en profite. À plus.
Bon, ben, les amis, c'était ça. Peut-être que au courant de la journée, si on décide, on va peut-être en faire un autre. Mais pour l'instant, c'était ça. Donc, on va faire des pâtes pour le dîner. Et on se retrouve tout de suite après pour quand on va manger pour vous les montrer. Au revoir. À bientôt. Hello les amis, on est de retour, encore une fois. Donc voici le repas de maman. Tu peux le présenter, maman? C'est des pâtes, des penines qu'on a fait cuire dans de l'eau colorée, avec une sauce Alfredo colorée, et des tomates, des tranches de tomates roses, assaisonnées de sel rose de l'Himalaya. Moi, j'ai des nouilles mauves avec des carottes mauves. On dirait un petit peu noir à la caméra, mais c'est vraiment mauve, là. Une sauce mauve, sauf qu'elle est un peu plus bleue, parce qu'au début, elle était trop rose, donc j'ai rajouté du bleu. Ben, ça donnait plus ça, mais bon, on va dire que c'est plus mauve, là. C'est quand même mauve, je trouve, moi. C'est vrai. Voilà nos deux assiettes. En passant, il est 3h15. C'est ça, les vacances. On déjeune tard, on dîne tard, on soupe tard. Bon appétit! Bon, donc, moi, je vous dis à tantôt. C'est quoi la prochaine étape qu'on va faire après? Les chocolats. Donc, on va peut-être faire des chocolats. Donc, on va tout vous montrer ça. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est bon? C'est très bon. Ok, vraiment merci, bon. Je vais goûter. On s'amuse follement. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment bon. J'en ai-tu mis du sel dessus ou je l'ai mis? À tantôt! Donc, avec tout ça, au revoir et on vous rejoint pour. À tantôt! C'est ça, à tantôt! Hello les amis, encore de retour, oui, je sais. Pour notre dessert, on veut manger des petites compotes. Donc, la mienne, elle est aux pommes et aux bleuets. Tu l'ouvres-tu qu'on regarde que ça a l'air? OK. C'est beau! Et pour maman, c'est comme ça. Et c'est aux pommes et fraises. En glace, parce qu'on l'a coupé, si vous ne voyez pas. Donc ça, c'est pas mes fraises. Et c'est quand même rose, comparé, là. Ça, c'est quand même assez mauve. Ça, c'est quand même assez rose. Ça, on dirait couleur melon d'eau, hein? Bon, bien, on prend notre petit dessert, puis après, on prépare la prochaine activité. Oui! Allô, les amis, donc on est encore là pour vous revoir. Ben, c'est logique, mais bon. Parce qu'en fait, on a fait des chocolats. Ici, il y en a ici. Et donc là, on est en train de mettre c'était du chocolat blanc. Rose et mauve, si vous réalisez que oui, c'est bien rose et mauve. On n'a pas triché. Et là, on met le chocolat brun fondu. Pour mettre dedans et pour finaliser les chocolats. C'est satisfaisant, hein, maman. J'aime vraiment faire ça. Fait qu'en fait... On va remplir les moules et puis on vous présente le résultat tantôt. Ouais! Donc, on est de retour, on a fini les chocolats, on peut pas vous les montrer parce qu'ils sont pas encore figés, on va sûrement vous les montrer vers l'heure du souper. Donc là, on va manger notre collation. Voilà! Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme des petits bonhommes, je sais pas si vous connaissez. Comment ça s'appelle? Des oursons? Non, c'est pas des oursons. Sour Patch? Pas ça? Des petits bonbons comme ça. Ok. Un petit bonhomme. Goûtez-en dans un, ouais. C'est bon. C'était pas convaincante. Non, mais c'est bon. Non, je... Puis les petits... Il y a quoi d'autre dans le petit bol? Je suis bon.
Je vois qu'il y a des petits... Il y a des nerds. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petits bonbons durs comme ça. Là. OK. Donc, on a ici les mauves pour Moi, Alice. Ils sont raisins, les deux. Maman, les deux, ça, c'est nerds. Ça, c'est ces petits bonhommes. Les deux, ils sont fraises. Non, raisins. Tadam! À tantôt! Donc, je vous avais dit, je vous montrais nos chocolats. Donc, je vous ai mis une photo, mais je peux toujours vous les montrer. Ils sont juste ici. Donc, je vous ai mis une photo sur quand j'ai fait le montage. Donc, il y a une photo. Comme ça, vous pouvez mieux les voir. Voilà. Donc, ils sont très jolis pour de vrai. Et en passant, les petits œufs qui sont dans une assiette, ça, c'est parce que... Faut les mettre au frigo parce que il était comme à moitié. Puis là, tu les faisais la moitié, puis après, tu collais les deux moitiés. Mais pour que les deux moitiés ils se collent, ben, il faut que tu mettes du chocolat entre les deux. Alors là, il faut les refaire réfrigérer. Et après ça, on prépare le souper. En ce moment, ben, on est en train de préparer la salade de choux. Fait que c'est ça. Puis on se retrouve, je sais pas quand. Je sais pas qui, mais juste après pour vous, hein. Donc, à tout de suite! Salut! Donc, on vous a mis juste avant de filmer cette petite partie-là. On vous a mis des photos parce qu'on a fait nos ongles. Ben, on s'est fait une pédicure. Oh, j'ai vu mes beaux. J'avais froid au pied. Doudou! Voilà. Et on a fait des petites tortillas pour nos tacos. On va manger des tacos. Rose et mauve. Moi, j'ai un jus, comme je vous ai présenté au début. Et maman, elle a... Une petite bière aux framboises. Ouais. Rassure aux framboises de la microbrasserie à l'affût. Ensuite, on a des salades de choux. Salade de choux rouge. Celle-là est à maman parce que... Elle est rose. Et celle-là, c'est la mienne. Elle est mauve. Crémeuse. Oui. Salade de choux crémeuse. L'autre, plutôt vinaigrée. Une mauve et une rose. Donc, c'est ça qu'on va manger. On est affamé, épuisé. On se fait un dernier coucou tantôt, là, on va manger. Oh, j'ai trop faim. On a faim. Donc, on vous retrouve tout de suite après qu'on ait mangé. Donc, à tantôt. Bye! Donc, on est là. Voici nos jello. Donc... Oui, c'est très... Hey, arrête de tripoter mon jello! C'est très gélatineux, et lui... Mets les doigts dans ton jello. C'est très... C'est drôle, j'adore! Et quelle couleur a choisi papa? Ah! Hey, notre souper, il était comment, gang? Très bon. Oh my God! Délicieux! Maman, tu goûtes que... Petite gorgée de bière avec un peu de salade de chou, mais pourquoi pas une petite bouchée de jello? Bon? Ouais, c'est bon. Réussi. Moi? Elle prend son temps. Va-t-il se rendre dans sa bouche? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Non, on lèche pas le comptoir, là. Le mot de la fin? Bon, ben, c'était la vidéo de notre challenge qui se finit là. Donc, on a pas fait exactement 24 heures parce qu'on aurait fini demain. Mais bon, on a fait toute la journée. Je dirais quand même un bon 12 heures. Ouais. Ouais. Donc, on espère que vous aurez aimé la vidéo. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir!